les masters et masterettes, on se retrouve aujourd'hui sur FIFA 19 sur FUT. Comment obtenir une équipe de France pas trop chère pour les bases, tout simplement. Voilà, avant de vous présenter mon équipe de France, je tiens à vous dire que je viens de sortir une vidéo Barclay, un championnat donc anglais. Voilà, si vous voulez des informations par rapport à tout ce qui est placement de joueurs, stratégique, formation, etc., ou même positionnement de joueurs, si vous avez des questions, demandez-moi, il n'y a pas de souci, je serai toujours présent. Voilà, aujourd'hui on va parler d'une équipe de France, enfin deux équipes de France que j'ai fait, une moins chère et une autre un peu plus chère. Je vais vous présenter tout d'abord cette équipe là de base un petit peu qui est pas trop mal. Voilà, c'est des joueurs donc pas les meilleurs de l'équipe de France hein, forcément hein. J'ai pas du Antoine Griezmann ou du Matuidi qui vaut qui valent très cher hein, N'Golo Kanté à plus de 300 000 crédits, enfin bref voilà, c'est vraiment pour les gens qui veulent changer d'équipe, qui en ont marre de jouer tout le temps avec les mêmes équipes et qui ont envie tout simplement d'avoir une équipe potable mais de base, voilà tout simplement. Donc au but, tout simplement, Steve Mandanda, comme vous pouvez le voir, acheté pour 700 crédits, Steve Mandanda, hein, le second en dessous de Lloris, 83 de général. Comme j'ai dit dans mes vidéos précédentes de la Barclay, pour moi, le gardien, les points les plus importants, ce sont le plongeon, le réflexe et le positionnement. Donc malheureusement, il a que 79 de plongeon. Bon, 79 pardon, de positionnement, 86 de plongeon, 84 de réflexe. Voilà, je trouve que c'est plus qu'honorable et surtout pour 700 crédits. Un joueur à 83 de général pour 700 crédits. Donc c'est très bien, hein, il joue en Ligue 1. Donc ça va super bien marcher avec les deux défenseurs centraux qui sont Loïc Perrin. Loïc Perrin, défenseur de Saint-Etienne. Voilà pourquoi je l'ai mis. Bon, malheureusement, il a 63 de vitesse. Il vaut vraiment pas cher. Vous pouvez vraiment le trouver pour aller même pas 1000 crédits. Bon, je l'ai eu dans un pack. Voilà, bon, il est à peu près à dans les 1000 crédits. Moi-même un peu moins, vous pouvez l'avoir. Hein. Bon, il est très bon. Franchement, même sur pointe, sur corner, ça m'étonne qu'il ait que 77 de physique. Parce qu'il m'a quand même marqué des buts sur corner. Voilà, 81 de défense. Vraiment pour 1000 crédits, même pas, ça vaut le coup. Vraiment pour débuter, c'est très très bien. Adil Rami, je trouve qu'il est complètement sous-noté. Adil Rami a fait une Coupe du Monde. Bon, malgré que le jeu se base surtout sur la carrière du club, hein, surtout le long de sa carrière, sur toute l'année. Mais il a fait une Coupe du Monde monstrueuse avec la Coupe de France, avec l'équipe de France. Donc je trouve qu'il est vraiment sous-noté, vraiment. Comparé à Umtiti qui est 87 de général, Umtiti, donc voilà, 60 de vitesse, 81 de défense, 87 de physique, 1m90, donc autant vous dire quand même qu'il est très présent sur les corners, et ça c'est ce qu'on veut aussi, hein, des fois qu'un défenseur saute de la tête, et puis voilà, donc en défense il pourra vous défendre très avec des longs ballons, des hauts très longs centres, il sera toujours présent, et sur les corners il sera aussi présent. Donc ce E2, ça représente vraiment la charnière, vraiment les pivots, les deux forteresses. Ensuite à droite, le petit Blanc-Bec Jallet, Christophe Jallet. Voilà, bon, Christophe Jallet, c'est un joueur pas très très bon, mais voilà, 75 de général, 300 crédits, vraiment c'est donné, 71 de vitesse, 74 de défense, 73 de physique. Le plus important, c'est qu'il a la rage, et ce joueur-là, je trouve qu'il a la rage sur le terrain. Vraiment, jouez-le, testez-le, vous allez voir, il a vraiment une agressivité en lui, il va vraiment être partout. Ça m'étonne de ce joueur, même si on voit qu'il n'a pas vraiment la vitesse, il va vraiment, courir après le ballon et essayer d'empêcher le maximum à l'attaquant d'essayer de percer le terrain, de partir sur l'aile, hein, vraiment. Donc c'est un joueur très agressif, voilà pourquoi il est là, et ça j'aime bien, les joueurs qui se battent, ça me plaît. Lewins Kurzawa, tout simplement le joueur de Paris, donc très complet aussi, 70 de tir, 76 de passe, 77 de physique, voilà.
assez correct, vraiment 400 crédits, acheté pour 400 crédits. Bon, maintenant il est peut-être un petit peu monté, il doit être toujours dans cette tranche là, entre 500 et 1000 crédits, vous pouvez le trouver. Donc voilà, bon, 4 étoiles quand même de geste technique. Bon, c'est pas un dribbleur, c'est un défenseur, mais voilà, vous pouvez quand même faire des débordements sur les ailes avec lui, il n'y a pas de souci. C'est surtout un assez bon passeur, hein, parce qu'il y a beaucoup de défenseurs gauche et droit qui sont très rapides, mais qui ont vraiment pas beaucoup en passe. Et ça, Levin Kirzawa justement va vous délivrer des centres assez importants et assez précis, donc c'est ça qu'on veut. Donc au milieu, les trois charnières, donc on est parti sur un 4-3-2-1, voilà pourquoi. Parce que tout simplement, comme Matt Barkley, j'ai voulu faire 3 donneurs de ballon et si possible 3 joueurs complets et si possible aussi 3 défenseurs. Voilà, eux vont vraiment bloquer le milieu de terrain, ces 3 joueurs-là. Donc on va commencer par Moussa Sissoko, tout simplement, joueur très complet, 74 comme vous pouvez le voir, 74 de vitesse, 72 de tir, 74 de passe, enfin il est 84 de physique. Bon, après voilà, ce poids faible, c'est le mauvais pied, les gestes techniques, mais c'est plutôt une forteresse, c'est un buffle. Moussa Sissoko, assez vraiment bien représenté dans le jeu, je trouve, comme en vrai. Voilà, c'est, vous pouvez faire un ligne droite et lui il va tout arracher, les arbres, le terrain, les vestiaires, il va tout arracher. Voilà. Bon, allez, on passe au suivant. Francis Coquelin, très complet aussi. Bon, lui il pêche un petit peu dans les tirs, mais c'est pareil, ça va être plus le rôle de passeur. Voilà, il est assez complet pour le prix, 900 crédits vraiment. Donc c'est quand même, comme je vous ai dit, c'est une équipe de base, 79 de général. Donc c'est beaucoup mieux que Moussa Sissoko. Donc voilà, il ne faut pas se fier que sur l'affichage de cartes. Il faut aussi regarder le général, parce qu'il y a aussi d'autres compétences que les cartes ne peuvent pas montrer. Du genre la précision de coup franc, les passes longues, etc. Tout ça, ce n'est pas pris en compte. Donc voilà. Renseignez-vous sur le joueur, mais voilà, Francis Coquelin est très 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 complet. Donc il a quand même 71 de vitesse, donc c'est pas non plus une tortue, 78 de défense et 81 de physique. Voilà, il sera là surtout pour défendre, c'est pour ça que je l'ai mis ici au milieu, comme un petit peu un milieu défensif. La petite pépite, le Tanguy Ndombele. Ndombele, pourquoi Ndombele? Parce qu'il me fait vraiment penser à un sous N'Golo Kanté. Voilà, vraiment, c'est le petit Lassana Diarra, c'est la petite bête qui va vraiment prendre, récupérer tous les ballons au milieu de terrain, un petit peu comme une fouine. Il va vraiment être libéral, il va beaucoup bouger, il va récupérer, il va vraiment emmerder tout ce qui est grand, et les gens de vitesse, il va essayer de son but à lui, c'est vraiment de couper toutes les passes. Donc voilà, malgré ses notes, vraiment testez-le, c'est pareil que j'allais, c'est exactement pareil pour moi, ce sont des joueurs très agressifs et qu'ils ont quand même une assez bonne endurance. Mais voilà, je vous les conseille. Ndombele. Et là, surprise, en attaquant droit, vous allez me dire, ouais, mais non, il a 75 de général, il brime même pas. Voilà. Ludovic Blas. Blas, comme vous voulez. En gros, ce joueur-là est très, très régulier. Ça m'étonnait franchement. Au début, je le jouais, je me suis dit, bon, c'est un joueur, bon, il a 75 de général, je vais le jarter, etc. Mais voilà, pour une équipe de base, vraiment testez-le. C'est vraiment, regardez, j'ai fait 26 matchs, 13 buts avec lui et 11 passes décisives. Pour un attaquant droit, c'est très bon, c'est très très bon. Il n'arrête pas de marquer, il n'arrête pas de tirer, enfin, il n'arrête pas d'être sur le terrain, que ce soit aérien, donc en tête, etc. Et pourtant, c'est franchement, sa carte, on dirait qu'elle est pourrie. C'est, quand on voit 79 de tir, 62 de physique, 50 de défense, 73 de passe, 77 pour un attaquant de pointe, de vitesse, c'est pas excessif, il a que 75 de général, mais vraiment très surprenant, et c'est pour ça que je voulais vous le montrer, parce qu'il y a des joueurs qu'on ne parle pas et qui sont vraiment pour moi des pipites, et c'est ça qu'il faut trouver, c'est des joueurs avant que tout le monde les connaisse, essayer d'être les premiers pour justement se faire de l'achat-revente ou justement profiter de ces joueurs-là pour tout simplement gagner vos matchs. Donc voilà. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui recherche. Donc, si vous connaissez d'autres pépites que je ne vous ai pas citées, donnez-les-moi. Ça m'intéresse toujours. C'est très bien de s'informer. Donc, attaquant gauche,
le petit Mathieu Valbuena, bon, un petit peu vieux maintenant, il commence à perdre de la patte. Bon, voilà, 80, il descend un petit peu, voilà. Et bon, c'est plus du tout le Valbuena qui était déjà sur le FIFA 17. Mais bon, 81 de général, vraiment pas cher, acheté pour 800 crédits, 80 de vitesse. Bon, il a pas de physique, hein, il est petit, il est assez maigre, mais très bon passeur, très assez bonne vitesse, très bon tir. Pas de soucis, bon voilà, ça sera plus l'élément perturbateur sur l'aile gauche. Il y a mieux que Valbuena, hein, vraiment il y a beaucoup mieux, mais voilà, pour une équipe de base, 800 crédits, c'est vraiment pas cher. Là, vous avez une équipe pour, allez quoi, 10 000, 15 000 crédits et assez bonne équipe. Attaquant de pointe, buteur, Olivier Giroud. Donc Olivier Giroud, ce qu'il va pêcher chez lui, c'est son 47 de vitesse. 3 étoiles de mauvais pied, 3 étoiles de geste technique aussi. Mais le problème, c'est qu'Olivier Giroud est un peu lent. Mais une fois qu'il a le ballon, et une fois qu'il est posé, il délivre des bonnes frappes. Il est vraiment là pour sauver un peu tout ce qui est les meubles. Malgré ça, il est quand même assez régulier. Bon voilà, comme vous pouvez le voir, hein, 26 matchs, j'ai fait 15 buts avec lui, 8 passes décisives, donc c'est comme un attaquant secondaire, je le vois lui comme ça, c'est pas non plus un attaquant où il va marquer à chaque match, voilà, c'est plus dans le genre pivot. Mais bon, pour, comme je vous ai dit, pour 1300 crédits, même là vous pouvez peut-être le trouver, il a peut-être monté un petit peu, vous pouvez le trouver entre 1000 et 2000 crédits quand même, mais bon. Voilà, c'est un joueur vraiment assez potable pour bien commencer. On passe sur l'autre équipe et je vous dis à tout de suite. Voilà, l'autre équipe un peu plus chère de l'équipe de France, ça sera au goal. Stéphane Ruffier. Pourquoi? Parce que c'est un vraiment très très bon gardien et c'est vraiment le meilleur pour moi en dessous de Lloris tout simplement. Hein. 82 de plongeon, 82 de réflexe, 85 de positionnement. Voilà, très régulier. Et pour moi, c'est un gardien très acrobate. Il va vraiment chercher des longs ballons. Des fois, il va vraiment chercher des ballons en pleine lucarne. Ça lui arrive de faire des bourdes un peu comme tous les gardiens, hein, vous allez me dire. Mais 85 de positionnement, voilà, acheté pour 1900 crédits. Un joueur à 84 de général pour 1900 crédits. Vous faites deux matchs, vous l'avez. C'est abusé pour 1084 de général. Voilà, joueur de Saint-Etienne. Ensuite, en défenseur centraux, Jérémy Mathieu, 1200 crédits, vraiment, 71 de vitesse, très correct pour un défenseur centraux, 84 de défense, 82 de physique, vous voulez quoi de mieux, vraiment, pour 1200 crédits, c'est, voilà, c'est une charnière, il fait 1m89 de taille, voilà, c'est un joueur qui va être là aussi sur, il a un peu de mal, je trouve, quand même, à monter au niveau des corners, mais, bon, ça arrive quand même, il marque, voilà. Ensuite, à côté de lui, Presnel Kimpembe, voilà, tout simplement, 77. Donc, c'est pour un peu compliment, pour venir un petit peu aider Jérémy Mathieu. 77 de vitesse, parce que Jérémy Mathieu, il est un peu plus lent que la moyenne. Donc, Kimpembe sera là pour combler le manque de vitesse en défenseur centraux. Donc, 77 de vitesse, 82 de défense, 83 de physique. Voilà, 1m89, donc pareil que Jérémy Mathieu. Lui, un peu plus cher, hein, vraiment 16 000 crédits. Donc voilà, ça pique un petit peu. Donc là, je vous ai dit, on va faire une équipe un petit peu plus chère. Donc, ça reste quand même dans le raisonnable. En défenseur droit, Sidibé. Djibril Sidibé, 2700 crédits. Voilà, la vitesse, la régularité, surtout la vitesse, les passes. Donc pas trop la défense, ça sera pas un joueur très très physique. Mais bon, voilà, il est là plus pour être agressif sur les côtés. Et voilà, donner des bons ballons. Donc ce sera plus un défenseur latéraux central. Voilà, il va beaucoup centrer et c'est comme ça qu'il faut le jouer. Enfin, pour moi. Ensuite, défenseur gauche, Lucas Hernandez. Donc voilà, je suis pas surpris. Il a fait une bonne Coupe du Monde. Donc voilà, il est bien à sa place. 82 de vitesse, 80 de défense, 78 de physique. Très joueur très complet. Voilà, bon, ça c'est pas un joueur qui va vous marquer beaucoup, mais bon. Voilà, il centre pas trop mal. Ça va. Franchement, ça va, il centre pas trop mal. Donc c'est un joueur assez rapide.
physique, bon, joueur normal quoi, rien d'exceptionnel. Bon voilà, 8200 crédits, ça sera il sera toujours bon là, voilà quoi. C'est un joueur à son poste, il faut le mettre, voilà, tout simplement. Il n'y a rien d'autre à dire sur lui. Corentin Tolisso, un MC. Donc on tape sur des MC. Corentin Tolisso me surprend dans ce jeu. Donc j'aime pas trop sa mentalité en vrai. Mais bon, là je m'en fous, c'est un jeu. Il est très 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 complet. C'est pour ça qu'il vaut un peu plus cher que les autres. 7200 crédits. Mais il est complet. Ça m'étonne qu'il ait que 3 étoiles de mauvais pied parce que ses tirs, ils sont vraiment... on dirait plutôt un MOC quoi. Vraiment, on pourrait le mettre en MOC, il n'y a pas de problème. Hein. Il délivre des caviars, comme vous pouvez le voir, 79 de passe. Voilà, il est complet. Il n'y a pas une note en dessous des 70. Donc voilà, c'est un joueur pour 7200 crédits. Franchement, testez-le, vous n'aurez pas de soucis, vous ne serez pas déçu. Voilà, Corentin Tolisso. Ensuite, en milieu, le fameux Nkoulou Kanté. C'est la Sana Diarra, le fameux, mais beaucoup moins cher évidemment, 350 crédits. La Sana Diarra, je ne l'ai pas enlevé de l'équipe la plus chère. Pourquoi? Parce que c'est un récupérateur de folie. Il n'est pas rapide, mais il récupère énormément de ballons. Il a l'agressivité qui n'est pas marquée sur la carte et qui va vous récupérer beaucoup, beaucoup de ballons. Donc 69 de vitesse, 77 de défense, 74 de physique. Le seul, on va dire, un peu défaut de la Sana Diarra, voilà, c'est sa taille. Voilà, c'est tout. Après, le physique, un petit peu, bon, mais il tient quand même les grands. Hein. Ça va être le morpion qui va venir se coller entre les jambes des attaquants. Hein. Ça va vraiment être ça. Voilà, c'est pour ça que je le vois. Voilà, ensuite, Adrien Rabiot, tout simplement, très complet, un peu comme Corentin Tolisso, mais un peu moins fort, je le trouve un peu moins fort. Mais il est quand même présent, hein, il fait des bons tirs, il est là surtout sur les corners, il est très grand, voilà, 1m92, donc il sera surtout là pour vous appuyer sur vos corners si vous êtes dans la panade, hein, vous êtes mené, il sera là pour réduire un peu le score sur les corners. Mais sinon, très bon passeur, très bon tireur, il n'y a pas de problème. 3 étoiles de mauvais pied, 3 étoiles de geste technique, donc ce ne sera pas plutôt un dribbleur, mais voilà, plus passeur-tireur. Ils seront là, donc ces 3 joueurs-là seront pour alimenter les flèches devant. Et les flèches devant, ça c'est tout simplement Kingsley Coman. Kingsley Coman, 94 de vitesse, 76 de tir, voilà, 5 étoiles de geste technique, 3 étoiles de mauvais pied, c'est ce qui pêche un peu chez lui. Le 13250 crédits, mais vous pouvez peut-être maintenant l'avoir moins cher. Voilà, 75 de passe, c'est plus qu'honorable, surtout pour un attaquant gauche. Voilà, c'est le Coman, l'élément perturbateur en face. C'est lui qui va créer le danger, qui va vraiment combler, qui va justement créer les brèches pour dans la défense. C'est vraiment le personnage très rapide et très fluide pour justement donner des longs ballons à monsieur buteur, qui est monsieur Alexandre Lacazette. Voilà, Lacazette toujours en équipe de France. Quand vous créez une équipe de France, vous êtes limite obligé de passer par Lacazette au lieu de passer par Griezmann. Voilà, donc Lacazette un peu moins cher que Grisou, mais 25 000 crédits, donc 81 de vitesse, 82 de tir. Il a un petit peu réduit depuis 2017, mais toujours aussi bon. Donc 84 de général, 4 étoiles mauvais pied, 4 étoiles de geste technique, 25 000 crédits, ça fait un peu mal, mais toujours aussi bon. Il est très régulier et très puissant, je trouve. Un peu petit, 1m75, mais voilà, ça sera pas trop physique non plus, un peu son point faible, hein, mais très bonne vitesse, très bonne conduite de balle, et voilà, très bonne frappe, surtout ça, la finition est là, et donc c'est pour ça, c'est ce qu'on veut pour un buteur. Ensuite, pour finir, Alan Saint-Maximin, je l'ai testé, vraiment, et pour voir, et vraiment, il y a toujours meilleur, hein, comme je vous ai dit, sur les postes. Ce n'est pas du tout une équipe
bien prédéfini la meilleure équipe de France que je ferais, parce que sinon j'irais Pogba, j'irais Matuidi logiquement, ou Nkoulou Kanté, mais c'est pas ça le but là, c'était de vous montrer plein d'autres joueurs différents, et Saint-Maximin en fait partie. Saint-Maximin, vraiment, testez-le, c'est une flèche, et il est hyper régulier, il est vraiment régulier, c'est un gars qui va vraiment créer le ménage dans la défense. 91 de vitesse, 71 de tir, c'est ce qui va un peu pêcher. Les passes, franchement, 68, j'ai pas l'impression, vraiment, il fait des bonnes passes, donc j'ai vraiment pas l'impression qu'il fasse des passes de merde. Il est là vraiment pour créer comme un peu Coman l'élément perturbateur de la défense en face. Il va créer les espaces surtout pour la casette. Avec son 91 de vitesse, vous n'aurez aucun mal à partir en contre-attaque. Ça c'est catégorique, vous, vraiment, vous êtes une flèche avec ce joueur là. Voilà, il est assez assez fluide quand même comme joueur, donc voilà, je vous le conseille, et surtout pour 1300 crédits, ça vaut que dalle pour un joueur à 91 de vitesse, c'est rien, voilà, testez-le. C'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu, et que en gros, si vous avez besoin d'aide, de conseils, de placement de joueurs, vous avez des questions, dites-le moi dans les commentaires. Oui, je veux un coup de main, machin, j'ai besoin savoir où est-ce qu'il se met Giroud. Hop, voilà, c'est tout simplement ça. Allez, ciao, ciao, bye bye. N'oubliez pas surtout, The Master is you and not the game. Allez, ciao, ciao, bye bye.